Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. Même tu l'avais dit, tu l'as dominé. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambo ya tenye wa. Il ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Il ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je pars pour elle, une que les camas n'en acabent à bocher.
Thank you.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Tugumbambelio. Zabé, nous t'adorons. Emmanuel, Tugumbambelio. Emmanuel, nous t'adorons. Adonai, Tugumbambelio. Adonai, nous t'adorons. Osaïonso pour la biso. Tu es tout pour nous. Ebandeli, Ayonso, Soukapé, Ayonso. Le commencement et la fin de tout. Voilà pourquoi on t'appelle Alpha et Omega. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as un accomplissement de ta parole dans nos générations. Merci parce que dans notre génération, tu as un accomplissement de ta parole. Toute la gloire revient à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Donc, tu as un accomplissement. Dès que nous continuons encore, ce soir, na culte oyo ya vendredi ya délivrance. En ce qui de vendredi, le culte de délivrance est de Saint-Saint. Parle-nous. Simba biso. Touche-nous. Pambola. Béni. Bikisa. Guéri. Kangola. Délivre. Et te jurer que nous allons et de notre part, nous jurons te rendre la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous reçois tous en ce culte live ce vendredi. Et j'aimerais utiliser cette opportunité pour vous donner un message vraiment d'appréciation. Pambolami nanzela ba série oyo ya thème na biso principal l'efficacité de la parole nazui ba tu ebele ba komi surtout message ya mercredi ya oyeleki ya vantier ba tu ba komi mingi bazaki touché beni ko uta partout même Brazzaville ici na moni ba message na bino même dimanche aussi ba tu ebele ba komi bazo apprécier Zambe Bona Matea Oyo et Bele Balobi Misu na bango efungwami. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse et le sambo nangai parole wana bozoyoka et même éclairage total, amen. Illumination totale na vie na bino na destinée na bino. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Et j'aimerais bénir toutes ces personnes qui nous envoient des messages de partout dans le monde, qu'ils sont bénis par la prédication. Ils remercient Dieu pour cette prédication. Je demande à ce que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et na lobby, amen à tous vos prières pour moi. Parce que Bele Bazo Panzambe, Akoba Kopamula Yo, Oumela, Ozala 1000 ans, Ozala 150 ans, Tozana Posana, Moutina Moutazo Lobayaye, na Moninyonso, na Yambiango et na lobby, oui et. Amen. Et merci pour toutes vos prières que vous faites en mon endroit et je dis oui et amen à cela. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, toujours combat les sous. Aujourd'hui, nous continuons encore. Dernièrement, nous avons parlé de la parole de Dieu est vivante, opérante et plus pénétrante. Balélekito le baki et le banantan bezaïna bomoi et ça la capé kota kanamozindo koleka. Mutumzosa komelinga lobi. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Ils ont dit longoli et kaina misunangai misunangai fumanubi. Non, non, non. Ça c'est une autre haute dimension. Alléluia. Amen. En tout cas, Jésus béni. Alobi angope à part pour Matthieu après alobi et le komususu ya mi balé ezake na sosoli origine nangai atant que bantu. Naiko comprend que en tout cas surtout tant qu'on a passé révélation ya banankake. Mais c'est clair que ces abissos, assim, alobi, ça m'a touché. En tout cas, je manque de mots. C'est que je veux te dire que Dieu vous bénisse et multiplie cette grâce et cette révélation. Amen. Et je lui réponds. Il n'y a pas de discussion, papa. Il y a aucun collègue. Alors, il s'en a été naté. Alobi, mais au salikaka, un peu au. Amen. Okay.
Et il y a une personne qui m'a écrit disant qu'il est béni par cette prédication, non seulement par la prédication de la parole, mais aussi de ce que nous, les Noirs, nous sommes les vrais descendants d'Abraham dans le sang. Et il m'a même demandé de faire tout un séminaire là-dessus. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, j'en ai déjà parlé dans un séminaire et j'en ferai aussi un autre thème après ceci. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore découvrir. Témoigner que la parole de Dieu est vivante. Pas morte. Et koufate. Opérante. Et plus pénétrante. Jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Les jointures. Lingala lobi. Tina katia mikwa, na katia mafuta, na katia mikwa. Et comme on dit en lingala, jusque dans la moelle, jusque dans les jointures. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Et il y a des témoignages instantanés. Mususu alobi ye azana problème ya. Natindeli batunangama media na banzi ifoba lakisa yango. Ke balamoko romatisme soki ya combien de temps et disparaître na yo ki pepele na sembla ka pa na yo te na landa ka yo kaka na itsu place alvi c'est ça la parole de Dieu. Amen. Et koki kokota partout, elle peut pénétrer partout cette parole. Alléluia. Amen. So alors yeba yango ke. Sache-le que, selon place au Télémie, verse numéro 19, que la parole de Dieu est vivante, opérante et plus pénétrante. Selon le dernier point, le point 19e, nous avons vu que la parole de Dieu est un bon mot. Et je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Si ce n'est pas comme ça, tu as là, ma cambo, tu as là, qui, dans Ézéchiel 37, on a Zambé, à UC Ézéchiel. Est-ce que ces eaux secs peuvent vivre? Est-ce qu'elle a le bien, elle a bien, ou elle a bien? Non, l'oba. Est-ce qu'elle a le bien, quand j'ai commencé à prophétiser, il y avait des bruits. Mais quoi, yako kaoka? Yes. Balamoko. Parole. Alors, dès que j'ai commencé à prophétiser, à parler, selon ce qui m'a été commandé, il y a des mouvements. Amen. Et balamoko. Et loko kaoki mikwa. Des autres. À la fin du compte, et songi na bomoi. On reprit vie. So, l'ilobazambe et kokokota tina katia mikwa. La parole de Dieu peut pénétrer jusque dans les eaux. Mais n'oublie pas, dans tous mes enseignements, je vous avais dit, nous constatons, nous avons comprendre, selon la parole de Dieu, Hébreux 11:3, que toutes choses ont été créées, fabriquées, façonnées par la parole de Dieu. Et si c'est comme ça, toutes choses doivent écouter la parole. Alléluia. Amen. Numéro 20 aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir le numéro 20. Je peux continuer. Il y a, c'est injuste. Et je peux continuer même si on a 50, mais peut-être pour la côte, on va changer mon souci. Tout changer, tout continuer le souci. Mais numéro 20 aujourd'hui. Le numéro 20e aujourd'hui. Tokotanga, Psaume chapitre 1. Nous allons lire dans le Psaume premier chapitre. Verset 1, à partir de verset 1 jusqu'à la fin. Psaume chapitre 1er. Tout le monde impacte la parole. Tout le monde a le rôle de la parole. L'efficacité de la parole. Ce que la parole de Dieu peut faire. Parce que toutes choses ont été créées par elle. Sans elle, il n'y a rien qui a été créé. Psaume chapitre 1, verset 1. Partie à verset 1. Amen. Verset 1er, j'ai lu la version Darby. Oui. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants. Et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs. Et ne s'assit pas au siège des moqueurs. Verset 2. Mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel? Encore, mon bien-aimé. Qui a son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Et médite dans sa loi jour et nuit. Fait comment? Médite dans sa loi jour et nuit. Tu peux répéter ça encore? Médite dans sa loi jour et nuit. Alléluia. Verset 3.
Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison. Alléluia. Et dont la feuille ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait prospère. Alléluia. Amen. T'as la conséquence. Il y a impact à la parole. Voilà les conséquences de l'efficacité de la parole. Et le bas mis bien dans verset 3. Et il sera comme celui-là. Celui-là qui a plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel. Celui-là qui médite dans la loi, c'est-à-dire dans la parole, jour et nuit. Celui-là qui fait ces deux choses, plaisir d'abord dans la loi et méditation dans la loi, dans la parole. Verset 3, conséquences. Il sera comme un arbre planté près des réseaux d'eux qui rendent son fruit en sa saison, et donc la feuille ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Rendre son fruit dans sa saison et prospérité. C'est-à-dire le bazar mais qu'on salaye aux la fructifie. Amen. Amen. La parole de Dieu fera que tu puisses fructifier. Fructifier et prospérer. Au combien d'abus au combien de libosso. Mon quoi y a efficacité à parole, impact la parole et que comme ça fructifier et prospérer. Une des efficacités de la parole de Dieu fera que tu puisses prospérer et fructifier. Mashubra de gabalatozo. Amen. Et grenika palasa zabadozo prodia. Amen. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne se sassie pas au sein des moqueurs, de qui a son plaisir en la loi, dans la parole de Dieu et médite dans la loi, dans la parole de Dieu, jour et nuit. Maintenant, c'est toi. Il sera comme un arbre planté près des réseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison. Amen. Et donc la feuille ne se flétrit point et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait à ta zote kamakala, tout ce qu'il fait à ta zote katomate, tout ce qu'il fait, oh masukra meshalia, batos, tout ce qu'il fait prospère. Ce qui osana plaisir dans la parole et on médite dans sa parole. Et tu médites dessus. Souka souka. Enfin de prospérité et partage. La prospérité sera ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Tanga pona ngabasiya mususu. Verset 4, mon Dieu, lecture. Et il n'en est pas ainsi des méchants. Mais ils sont comme la balle que le vent chasse. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Amen. La voie des méchants périra. Amen. Version français courant. Psaume chapitre 1er, à partir du 1er au 6e. Qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Verset 2. Ceux qui l'aiment, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le mérite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que cet homme est réussi. 4. Mais tout ce que cet homme fait est réussi. Alléluia. Amen. Impacte la parole. Oui, le bananzambe. Impacte la parole. Oui, le bananzambe salaka. La parole de Dieu. Le bananzambe. Ce qui oko. Zalana plaisir. Méditer, réfléchir et pratiquer la parole et qu'on fasse prospérer et fructifier. Si tu peux tirer plaisir à méditer, à réfléchir sur la parole de Dieu, cela te fera fructifier et prospérer. Alors, c'est que tout ce qu'il fait,
prospère. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui médite. Qui médite dans sa loi. Dans sa parole. C'est lui qui prend plaisir. C'est lui-là. Va prospérer et fructifier. Version Lingala Alelo. Psaume chapitre 1 à partir du verset 1er. Esengo na moto oyo andimaka toli ya bato ya mabete. Alandaka nzela ya bato ya masumu te. Pe asangana kana ba oyo batio la kanzambe te. Verset 2. Kasi nde alingaka mibeko ya Yahweh. Pe akanisaka yango butu moyi. Verset 3. Makambo nyonso oyo asalaka alonga kayango. Alléluia. Makambo nyonso asalaka asalaka nini? Alonga kayango. Continue. Azali lokola nzete oyo bakona pene pene ya mai. Yango ebotaka mbuma na eleko na yango. Pe makasa na yango ekaukaka te. Alléluia. Makasa na yango ekaukaka te. Verset 4. Oui. Nzokande ezali bongo te po na bato ya mabe. Bango bazali lokola matiti oyo ekendeke na mopepe. Verset 5. Mokolo Yahweh akosambisa bato, bango bakolonga te. Tango akosangisa bato na ye, bango bakozala wana te. Pamba te, Yahweh abatelaka bato ya bosembo, kasi bato ya mabe balandaka nzela ya liwa. Alléluia. Amen. Yoka denge Bible lobi. Parole de Dieu lobi. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Mutu oyo azwa esengo plaisir dans la parole et a meditaka akanisaka a réfléchisaka likolo ya parole. À cause de cet acte et kokomisa mutu wana fructifier et prospérer. Alléluia. Amen. Celui qui se donne à la parole de Dieu, cette parole-là va le faire fructifier, va le faire prospérer. Au mona Yesu ya ekoloba. Na Jean 15, totanga ngope à partir à verset 1, Jean chapitre 15. Tanga ponanga Jean 15. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 15. Ouais. Jean chapitre 15. À partir 15, verset 1. À partir du premier verset, version Darby. Moi, je suis le vrai cep et mon père est le cultivateur. Verset 2. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il les nettoie. So, au moins que Zambé a l'ingi tous à la fructifier. Et que Dieu veut que nous puissions fructifier. Obi, sermonios, oezo porte fruit et pas, bakukata balongol. Tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé. So, notre Dieu a l'ingi tous à la fructifier. Zambé la biso l'ingi et biso to bota et prospérer. Que nous prospérions. To réussir. Que nous puissions réussir. Et mon koya. Mission ya liloba ya mwana. Et une mission de la parole de Dieu est là. Un vrai chrétien de la parole. Mon Christ nous sonayo et sa prospérité fructifie. Son sort c'est fructifier et prospérer. Alléluia. Amen. Amen. Verset 2. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, voilà, il l'ôte, et tout sarment qui porte de fruits, il les nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Et l'obinini. C'est-à-dire, tu ne me reflètes pas, tu ne me ressembles pas. Comment un branche, il y a manga, a kangami na sep ya manga, mais azo bota, azo bimisa fruit ya manga te, ezanatina te. Cela n'a pas d'importance. Ce qui te zapenza ya ye, il faut te réfléchir en vous. Amen. Si nous lui appartenons, nous devons le réfléchir. Alléluia. Amen. Y a quoi l'obi? Oyo azo bota fruité bakukata. Celui qui ne produit pas de fruits sera coupé. Alléluia. Amen. Continuez. Verset 3. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. 4. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le serment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. 5. Moi, je suis le cep.
vous les sarments. Voilà. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui demeure en moi, n'oublie pas que lui et sa parole sont un. Celui qui demeure dans la parole, tous ongeli sont un. Celui qui a plaisir dans sa parole et qui médite sur sa parole jour et nuit. C'est-à-dire tu demeures dedans. Pour méditer dans la parole, il faut demeurer dedans. Amen. Il faut être là. Il demeure dans l'alcool. Vers mon corps. Le premier verre. Ok. Azobeta masolo. Il cause. Bazolo, bazotonga. Après, ameli vermus. Mokolo e yindi hein. Batuba lembi. Balinka babima. Amélie, so, a demeuré il demeure à l'angoué jusqu'à s'enivrer. Il en est de même pour la parole. Il faut de Dieu. Demeurer. Nous devons y demeurer. Tu médites jour et nuit. C'est ainsi. C'est alors que quelque chose va rentrer en toi. De telles personnes vont porter fruits. Ils porteront des fruits. Dieu se plaît de ses enfants qui portent des fruits. Ah, continue. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, oui, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, et on les amasse et on les met au feu, et ils brûlent. 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. Mokoya rôle ya parole. Il faut faire prospérer et fructifier. Cela te fera prospérer et fructifier. Si vous demeurez à moi, ce qui vous et que mes paroles demeurent en vous, et umeli nabino, vous demanderez singa, ce que vous voudrez et il vous sera fait. Il vous sera fait. Version Lingala Mokanda na Bomoy. Nous lisons à partir du verset 5 au verset 7. Jean chapitre 15, verset 5. Ngai nazali nzete ya vino. Pebino bozali bitape. Moto oyo azali kokangama nangai. Pengai nakati na ye akobota bambuma ebele. Bamba te soki bokaboni nangai bokokoka kosala eloko moko te. Alléluia. Verset 6. Soki moto akangami nangai te azali lokola etape ya nzete oyo babwaki libanda pe ekauki. Bitape ya ndenge wana e bakolokota yango bakobwaka yango na moto pe ezikaka. Verset 7. Soki bokangami nangai pe maloba nangai evandi na kati na bino, bosenga eloko nyonso oyo bolingi pe bokozwa yango. Bokozoyango na somme 1 alobi tout ce qu'il fait prospérer parce que cet homme là médite jour et nuit dans sa loi, dans sa parole, et tout ce qu'il fait prospère. Alobi pona moto oyo amanyola kamaloba na ye tongo pokwa nyonso oyo akosala ekofuluka. Alléluia. Amen. Et alobi dans sa saison. Et alobi na eleko na ye. Akopimi sa ba fruit. Il produira des fruits. Na zui révélation, c'est-à-dire il y a ba saison mususu ya mutu na mutu. Mutu na mutu azana saison na ye. Saison ya coco, cacao. Hein? Cacao. Saison ya cacao eza différent na saison ya maïs. La saison du cacao est différente de celle du maïs. Mutuna mutu azana saison amen alobi dans sa saison mutuna mutu na sia moya azana saison biloko yonso to lia ka ezana saison na yango. Chacun sous le saison soleil y a fruit sous ses ali. Chaque fruit de même a sa saison. Nangonga moko boyo komona ba saison ba fruit mususu bazate omuna atana mache ona malala elimwe mais obani komona ba pai pai obani komona swad ba anana après omoni malala ye
Si tu te conformes à la parole de Dieu, dans ta saison, tu porteras sûrement fruit. Amen. Chacun a sa saison. Dans sa saison. Si tu es humain. Oyo osa ko méditer jour et nuit dans la parole. Tu prends plaisir dans la parole. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement par le pain, par toute parole, mais par toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Na saison na yo ya yo. En ta saison. D'ailleurs, ça y est. D'ailleurs, ça y est. Yo. Toi, tu as ta saison. Na saison na yo. Dans ta saison. Oko prospérer, oko fructifier. Tu prospéreras, tu fructifieras. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'oko eko sala yango ezaneni. Parole. Qu'est-ce qui le fera? C'est la parole. Parole est comme mon kona yoyo, comme mon kona parole. Que vous devenez unis à la parole. Celui qui t'aime à moi. Et moi à lui. Pour mazanga ezala na ife, il faut demeurer pesa. Ce que vous dites à mon ko et le côté, vous demeurez, vous pouvez obéir ma solo, mon imkolo. Papa d'ailleurs, comme il colbe ta cava, chemise, na cravate. Ozotonga ba club ya sombeto koloyo komi kulata ba vest ya pan ay yango anako omelilus ozobita mas o demere avon yeba boy miso e komi komona double avon zo mona moko komi komona mibale avon yeba komi komona misaki my god conséquence ya ko demere dengi moko parole pona ba oyo ba demeraka il faut résultat est la prospérité et qu'on fructifie. Amen. Tel que les ivrognes ont les résultats de l'ivresse du fait de demeurer dans l'alcool, de même un enfant de Dieu qui médite dans la parole de Dieu doit avoir les résultats de fructifier et prospérer. Je me rappelle quand j'étais venu quelques années passées, 18 ans, 20 ans passés, je suis en train d'enseigner dans notre école de ministère au pasteur. Je leur dis que si ce que je vous enseigne, c'est la parole de Dieu, vous allez les voir. Parce que je n'ai pas amené des maisons ici, je n'ai pas amené des voitures ici, je n'ai rien amené ici. Je suis venu et ce qui reste dans ma poche, quand je suis arrivé, c'était $20. Mais si ce que je vous enseigne est de Dieu, pas ma parole, mais la parole de Dieu, vous allez voir les résultats dans ma vie. Et bandi kaka dengi na lobi na misu na bango nso ba mundenge ti na niveau na komelelo. Amen. Si vraiment ce qui est solo tu es homme femme de la parole, ozali moi si mobali ya liloba, il faut emonisama na ndela dengi ozo prospérer et ozo fructifier. Il faut que cela se reflète par ta prospérité, par ta fructification. Continue. Jean chapitre 15, verset 4 et verset 7, version parole vivante. Verset 4. Demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas uni à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Alléluia. Verset 7. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Alléluia. Vous l'obtiendrez. Alléluia. So moko ya œuvre, il y a impact, il y a rôle, il y a parole. La parole de Dieu est efficace tellement qu'elle peut faire fructifier et prospérer. La parole de Dieu est en amontouya et qu'on botisayo et qu'on fouloukisayo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job. Le livre de Job. Job 22. Tant mukanda ya Yobo, chapitre 22. Yobo. Yobo, chapitre 22. Yobo. Le livre de Yobo.
J'aime la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ekoson prozakate yemekesi kapala katuzo poko shike pelegedos. Ezege zuzuzu brzigini mera katabaya. Partie verse 21. Jobo. Partie verse 21. Job 22, verset 21, version oui. Darby. Réconcilie-toi avec lui. Voilà. Je te prie. Et sois en paix. Mm-hmm. Ainsi le bonheur t'arrivera. Mm. 22. Reçois l'instruction de sa bouche. Encore. Reçois l'instruction de Encore. Sa bouche. Reçois l'instruction de sa bouche. Ainsi lis ça. Et mets ses paroles dans ton cœur. Reçois l'instruction de sa bouche. C'est quoi l'instruction? Qui vient de sa parole. Amen. Et deuxième partie, et mettre ses paroles où? Dans ton cœur. Voilà, continue. 23. Maintenant, conséquence, regarde. Si tu retournes vers le Tout-Puissant, mm-hmm. tu seras rétabli. Uh-huh. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, voilà. Verset 24, mm-hmm. et que tu mettes l'or avec la poussière et l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. 25. Mm-hmm. Le Tout-Puissant sera ton or mm-hmm. et il sera pour toi de l'argent amassé. Uh-huh. 26. Maintenant. Car alors tu trouveras tes délices dans le Tout-Puissant et vers le Dieu tu seras et vers Dieu tu élèveras ta face. Tu élèveras ta face. Uh-huh. 27. Tu le supplieras et il t'entendra. Et tu acquitteras tes vœux. 28. Tu décideras une chose et elle te réussira. Et la lumière resplendira sur tes voies. Alléluia. Continue. Verset 29. Quand elles seront abaissées, alors tu diras, lève-toi. Et celui qui a les yeux baissés, il le sauvera. Mmh. Verset 30. 30. Souka. Même il délivrera celui qui n'est pas innocent. Il sera délivré par la pureté de ses mains. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous disons ici? À l'obi, surtout, verset 22, reçois l'instruction de sa bouche et mette ses paroles dans ton cœur. Dans ton cœur. Ce qui est sali bongo. Si tu agis ainsi. Okomona zambe ako pambolayo ako tombolayo. Tu verras Dieu t'élever. Version Lingala et Alelo, mm-hmm. Job chapitre 22 à partir du verset 21. Mm. Job, salate ozongi saboyo kaninayo nanzambe. Voilà. Wanane ozongi saboyo kaninayo nanzambe na dengeni. Nazile a parole nae. Amen. Kotambula selon parole koto salilo banae. Aha. Job, salate ozongi saboyo kaninayo nanzambe. Aha. Wanande akozongi selayo bolamo. 22. Ndima mibeko oyo azali kopesa yo. Voilà. Bomba maloba na ye na motema. Mm-hmm. 23. Oui. Zongela nzambe ya nguya peye akopongisa yo. Oh! Ye akosala nini? Akopongisa yo. Kobongisa eza kopambola. Mutu apambola mi. Obongi bongi. Bongi obongi. Obongi bongi. Amen. Prosperité. Amen. Fructifier. Amen. Alléluia. Amen. J'aime la version Lingala, lobby angudengi version anglaise c'est lobby. Alléluia. Bande la place wana papa. Verset 23. Zongela nzambe yanguya. Peye akobongisa yo. Akobongisa yo. Yo. Ata ba baby saki yo. Ba baby saki destiné na yo. Zambe akobongisa yo. Amen. So la parole de Dieu est efficace. Zongela nzambe yanguya. Akobongisa vie à mutu. Arranger la vie de la destinée à mutu. La destinée. Bato yo ba yebi yo avant. Ba moni yo lelo. Ceux qui te connaissaient avant, on te voit aujourd'hui, ils sauront que quelque chose a changé. Yaya na muni kamara na yo. Ah,
changé. Ah bon, qui les soussoua, comme les soussou qui tout le monde. Tout le monde a dit, yaya, a bengi. Zokande, awa, songi songi, et c'est comme il y a une ville. Tozali na ville. Alléluia. Amen. Zambé a bon. Batou bayebi avant bayebi qui a changé. Les personnes qui la connaissaient avant ont vu qu'elle a changé. Spirituellement, physiquement, tout. Namakambo nyonso a bon wabi. Ce qui te coûte na Zambé a solo. Si on rencontre réellement Dieu. Il faut aimer ma transformation. Cela doit refléter par la transformation. Alléluia. Amen. Et batou bamona. Et que le monde voit. La parole de Dieu peut embellir la vie d'une personne. Continue. Verset 23, Job chapitre 22, verset 23, version Lingala et Alelo. Songela Nzambe Yanguya. Oui. Paye a kobongisayo. Kobongisayo. Longola makambo ya mabe e pai na yo. 24. Tika ko kangama na bomengo na yo. Bwaka yango na ebale. 25. Nzambe yanguya akozala bomengo na yo. Ye aleki mbongo na tina. Mabo shabada gayata. 26. Ozana ye ozana yoso. Quand tu as Dieu, tu as tout. 26. 26. Wanande okosepela kozala pene pene ya Nzambe yanguya. Yes. Okotombola miso epai na ye na motema moko. Ya ye si la kate. Amen. Tu peux se confier. Même tant que Sili na Mokili, à cause ya ye moko yu a kangi mbula, prophète Elia, atinde li korbo. Après, alobiawa, ngonga na we espire, kende na sarepta, na pokisimwa simus, ya ye koko Sili la te, oh man, sang roshi da bada ya. N'expire jamais. Na sambeli pou na we, oh vivre ba mystère ya ba femme de sarepta. Amen. Oh vivre ba mystère de korbo. Amen. Na ngongo yu kumokile komi. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Batumako bazo kreye kao. Il y a de ces personnes qui créent le chaos. Parce que quelque part, pas même dans Mbouka, dans pas même dans l'Afrique, parce que c'est musique. Ils ne sont même pas en Afrique, ils sont très loin. Mais ils sont humains. Mais il y a que message. Dieu est au contrôle. Nzambe azotala makambo nyonso. Amen. Alléluia. Amen. Verset 27. Oui. Akozanga koyoka mabonde li na yote. Akope sa yonzela oko kisabilaka na yo. 28. Ce qui osui mokano eko salema. Yes. Nanzela na yo nyonso eko zala polele. Oh ma chaka pata. 29. Oko koka kolo banabato oyo balembi. Botelema. Bamba te Nzambe asalisaka moto oyo amikitisaka. Alléluia. Et verset 30, ye abikisaka ata moto oyo asali mabe. Akozala nayo soki obandi kosala malamu. Mais Genèse makambo yonso oyo tozomona benediction elandi oyo eza pona celui qui reçoit l'instruction de sa parole. Amen. Tout ce que nous voyons découle de recevoir l'instruction et de garder la parole dans le cœur. Regarde ce que la parole peut faire. La parole de Dieu est efficace. Alléluia. Amen. Et l'okoyon soit tout saka. Toute chose obéit. Alléluia. Amen. Parce que l'okoyon soit salami naïe. Parce que toutes choses furent créées par elle. Sans elle, il n'y a rien qui a été. Ce qui était, le commandement était salima. Alléluia. Amen. La méditation, nous avons dit, 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 chapitre 148, nous avons dit, oh non. Alors, voilà pourquoi, Batuneti, Josué, Basosoli, Makam. Voilà pourquoi des personnes comme Josué ont compris. Batuneti, Eli, Basosoli, Makam. Basaba, Koko, Namis. Des gens comme Eli ont compris, sont nos ancêtres. Parce que nous avons grandi, nous avons grandi, nous avons grandi. Parce que 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 nous avons grandi, so ezabilo e tala Yesu aye a changer comme ya disi mibale a pesi bango bwana Jesus, c'est-à-dire bana kake. Alléluia. Na tangi balobi eloko nyonso na mupepe, même le vent, na ba montagne, même les montagnes, na nini nyonso na banzete, même les arbres, bazo tosa bazo exécuter liloba ya zamba be tiens na maba oh ya doza bata ya neme kede. Alléluia. Amen. So, yangwana soki yo ozo tosa, ozo demore dans la parole de Dieu, et qu'on fait yo fructifier
prospérer. Parce que les mondes ici ont été créés, façonnés, formés, fabriqués par la parole de Dieu. Et si vous vous conformez à cette parole, cela fera que vous puissiez fructifier. Parce que nous sommes et Salema Naliloba. Dans le temps là, Psaume 148. Allez, go, sous épée, Psaume 148. Oh, yes. À partir de verset 5, de quoi, jusqu'à 12. Psaume chapitre 148. À partir de verset 5 jusqu'au verset 12. Précisément à partir de verset 8, 9. Amen. Banda Kunana 5. Jesus. Psaume chapitre 148, à partir de verset 5. Verset 5, version Darby. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Ok, qu'il loue. Yosu et Kumisa Kumboya. Amen. Car c'est lui qui a commandé et ils ont été créés. Quand il a commandé, il a fait sortir quoi? Pour commander, on dit quoi? La parole. Ce qui est militaire, officier militaire, l'ingaloba. Bokangaye. Bache Moutuna Boloko. Akoloba. Bokanga Mosiwana. A bimisi parole. A commandé. Et bake bako. Amen. Parole. Loba. Continue. Verset 6. Et il les a établis à perpétuité et pour toujours. Il a rendu son décret et il ne passera point. Verset 7. Louez de la terre l'Éternel, vous, monstres des eaux et vous tous les abîmes. Verset 8. Feux et grêles, neiges et vapeurs, vent de tempête qui exécute sa parole. 9. Montagne et vous, toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. Verset 10. Animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. 11. Roi de la terre et tout le peuple, prince et tout le juge de la terre. 12. Jeune homme et les vierges aussi, vous, vieillards, avec les jeunes gens. 13. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est haut élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Allez. 14. Et il exaltera la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, des fils d'Israël, les peuples qui est près de lui, loué Jah. Loué Jah. Alléluia. Amen. Ce qui te bandit, n'a bandit, lui, sur son parti, verset 5, qui loue le nom de l'Éternel, version Darby, car c'est lui qui a commandé et ils ont été créés. Commandé. 6. Et il a établi à la perpétuité et pour toujours, il a rendu à son décret et il ne passera point. 7. Louez de la terre l'Éternel, vous, monstres des eaux. So, ba monstre, na ba mai, ba oko kumi sa zambe. Et vous, tous les abîmes. Oh! Parce que naïf sibino, parole des salignons. C'est la parole qui a été créée. Feu et grêle. Neige et vapeur. Bako kumi sa zambe. Même la vapeur. Vent de tempête. Qui exécute sa parole. Bazo tosa, bazo exécute parole. Oh my God. Yes. Parce que nous sommes que la machine de la parole. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout a été créé par la parole. Yes, alors, si ces gens testent, je vais susciter des pierres. Oh. Ba mabanga. Qu'est-ce que ce que au moni maloba tout vanda tout réfléchir ce que au taliba phrase Yesu azo bimisa tango azawa na se ezo loba ke azamokeli. Les phrases que Christ utilisait, c'est la prouver que c'est lui le créateur. Depuis na botama nanu tant que nazo mette na parole de nazo kususake mabanga aloba kazana munoko na dengi na ye azana matoi na dengi na ye et ba kumisa kazambi. Et c'est en méditant que j'ai compris que même la pierre a ses oreilles et sa bouche et elle loue l'Éternel. Ah watu moni et qui loue l'Éternel car c'est lui qui a commandé tout et ils ont été créés et il a établi à perpétuité. Maintenant va c'est louer de la terre l'Éternel, vous monstres, louez-les. Des eaux, louez-les. Vous les abîmes, louez. Feu et grêle, louez. Neige et vapeur, louez. Vent de tempête, louez. Qui exécute sa
Après, il y a verset 9. Montagne. Bah, montagne, puis basala kanini. Voilà. Et vous, toutes les collines. Basala kanini. Arbre fructifié. Basala kanini. Et tous les cèdres. Basala kanini. Dix. L'animal. Et tous les bétails. Basala kanini. Reptiles et oiseaux de nyonso. Basala kanini. Roi de la terre. Et tous les peuples. Prince et tous les juges de la terre. Bakumi Sakayawe. Tous les jeunes hommes. Les jeunes hommes et les vierges aussi. Les veillards avec les jeunes hommes. Bakumi Sakayawe. Qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est haut élevé, sa majesté est au-dessus de toute la terre et des cieux. Alléluia. Amen. So yonsoana bazana munokoko kumisa, c'est-à-dire bazana matoipe koyoka. Toutes ces choses ont des bouches pour louer, ça veut dire qu'elles ont aussi des oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. So qui te kotosa. Si nous pouvons obéir, toko tambola, toko méditer dans la parole et qu'on fait biso fructifier et prospérer parce que yonso et kotosa biso. Amen. Version Lingala Alelo. Psaume chapitre 148 à partir du verset 5. Alléluia. Verset 5. Yango nyonso ekumisa Yahweh. Pamba te aloba ki ete ezala pe yango ezalaki. Verset 6. Atiaki yango seko na bisika oyo ezali. Apesaki yango mibeko oyo ekoki kobongwa na te. 7. Bokumisa Yahweh awana se. Bino ba ebale na bilima oyo ezali na kati. Verset 8. Bino pe kake mbula ya mabanga. Neige pe lolende. Na mopepe ya makasi oyo etosaka maloba na ye. Alléluia. Verset 9. Yo se saka nini? Etosaka maloba na ye. So omoni pola nini alobeli mopepe alobi tetwa e mopepe azali nini? Atosaki. Amen. Alobeli nzete nzete kauka nzete azali nini? Yo se saka nini? Etosaka maloba ya Yahweh. Allez, ma cosombre zande. Yoka, écoute. Vie na yo ezotosa. Amen. Destinée na yo ezotosa. Finance na yo ezotosa. Na kombo na Yesu Masia. Santé na yo ezotosa. Au nom de Jésus. Yosu etosa ka. Maloba ya Yahweh. Yes. Beni kapala tapala katobo koshike pelegede. Verset 9. Misaye, yes. Bino bangomba ya minene na ya mikie. Banzete ya mboka na banzete ya zamba. Verset 10. Banyama ya mboka na banyama ya zamba. Bino nyoso banyoka pe bandeke. Verset 11. Boku misayawe. Bino bikolo na bakonzi na bino. Yes, solo. Bambuta mutu na batambu isinyoso ya mokili. Bisoyo. Verset 12. Bilenge mi bali pe bilenge basi. Bizoyo lisusu. Mi bange pe bana. Boku misayawe. Boku misayawe. Verset 13. Boku misayawe nzambe na biso. Pamba te ye moko kaka azali monene. Azali mokonzi ya lokumu na likolo pe na se. Alléluia. Azali mokonzi ya nyonso. Amen. Ce qui toko demeure dans sa parole comme alobi. Alors, si vous demeurez en moi et ma parole en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera donné, il vous sera fait. C'est-à-dire, tout va prospérer et fructifier. Awa tout écoute sa parole.
Ici nous voyons que nous sommes Yango ifuto vande la méditation. Mutumoko ayinga lobiantu a quelle révélation, quelle inspiration. Ozwa kama kamboyo esenga ka ovandi odemere kadengi bazo vanda ko demere likolo ya masanga. Yopi odemere likolo ya masanga ya molimo ki la parole. Amen. Et langue saka ozomuna makamuzu na sala kaizaneti na langue so inazotea liloba zambi. Et langue saka quelque part. Et langue si yo. Amen. Quand tu demeures de la parole de Dieu, tel qu'un ivrogne demeure de l'alcool, cela fera que tu sois ivre de la parole de Dieu. Mes paroles sont esprit. Dry gin, babengango, whisky, babengango, spirit, esprit. Comme on appelle whisky en anglais, spirit qui veut dire molimo. Yeah, en anglais. Vous aimez le spirit, vous aimez la spirit. Ah, suka suka ogolangwa. Oh, commission molimo. Et molimolizeyo. Alléluia. So, toute chose et l'oconiose exécute la parole et tout ça kalilo banana yango maloba yonso mususu ta una moni revelation na iko comprendre pona nini nzete mu pepe batosi na dengi alobi na Luke totangi wana teme na sala ka reference tout temps Luke je crois Luke 19 à partir à verset 37 tina verset 40 soki totangi Yesu alobi si Kangi mno kuna bango ngai na utemisa baba banga ba kusana nini ba kumi sana na verse 40 tanga pona ngai Luke 19 37 à 40 nous allons lire dans le livre de Luke chapitre oui. 19 verset 37 au verset 40 Version Darby j'ai lu au nom de Jésus oui. Et comme il approchait déjà à la descente de la montagne des Oliviers toute la multitude des disciples se réjouissant s'est mis à louer Dieu à haute voix voilà. Pour tous les miracles qu'il avait vus conduite disant béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur paix au ciel et gloire dans le lieu très haut Prends neuf. Et quelques-uns des pharisiens lui dirent du milieu de la foule maître réponds tes disciples 40 Et répondant, il leur dit, je vous dis que si ceci se taise, les pierres crieront. Si ceci se taise, les pierres crieront. Pierre les enailobinini. Mabanga. Mabanga. Amen. So yosu e yo kakaye, yosu e to sakaye. Tout lui obéit, tout lui écoute. Ce qui toujours demeure dans la parole. Si nous demeurons dans la parole. Alobi, c'est lui qui demeure dans ma parole. Et moi en lui. Il demande ce qu'il veut. Et cela lui sera accompli. Alléluia. Version Lingala et Alélo, Luc chapitre 19, verset 37 à 40. Verset 37. Awa komi pene pene anzela oye kita na ngomba ya ba olive ba yekoli ebele babandi ko sepela pe ko kumisa nzambe na mingongo makasi bona makamu isinyoso oyo ba monaki 38 bazalaki koloba kolo abenisa mokonzi oya ye na kombo na ye boboto ezala na likolo pe lokumu ezala na nzambe 39 ba farize mususu pe bazalaki na kati ya bato Bongo balobi na Yesu motei loba na bayekoli na yo bavanda nie 40 Yesu azongisi na lobi na bino ata soki bango bavandi nie mabanga ekoganga siko soki tozo tambola tozo tosa ye soki akotele misa mabanga eganga s'il peut susciter des pierres qu'elle crie akotele misa yonso pona yo Elle peut susciter tout en ta faveur. Alléluia. Amen. Bien-aimé ngunga nangai kei. Mon temps s'est écoulé. Nakolinga ko sambela pona yo. J'aimerais prier. Comme aujourd'hui c'est culte nabiso ya sainte scène ya communion. Comme aujourd'hui c'est notre culte. Même Jésus a dit ceci. Yesu ye mora lobi. Celui qui ne mange pas ma chair. Oazo lianzo to nangai. Qui ne boit pas mon sang. Yesu mela makila nangai. N'a pas la vie en lui. Azana bomo ite. Mais celui qui mange et qui boit. Oazo mela pe a la vie. Azana bomo ite. Bien-aimé. Olingami. Nanzela communion ya pokwalelo. Au travers de la communion de ce soir.
Nassambeli, je prie. Amara ko demeure na vie na yo. Qu'il demeure dans ta vie. Sa vie est demeurée na vie na yo. Bomo inaeza la na bomo. Et bisikaye a demeuraka. Et là où il demeure. Et le contraire ko kuvandate. Ce qui est contraire ne peut qu'il demeure. Yango na décrété délivrance na yo, guérison na yo, na kombo na Yesu Masi. Pourquoi je décrète ta guérison, ta délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Na lingi to tanga yango. J'aimerais que nous le lisions. Après tout, Sambeli. Jean 6, 51, Tina 53. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 51 à 53. Yeah. Verset 51, version Darby. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. Mmh. 52. Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Oui. 53. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Mm. 54. C'est lui. Merci. Ce qui au les autres n'a pas été au mélimé, albi aux en a beau moi. Si tu ne manges pas ma chair et ne bois mon sang, tu n'as C'est-à-dire, dans la communion, au travers de la communion, nous avons la vie. Dans un abomoy. Et tout le monde en a look pour il faut dans le bac tout le temps, mais il faut de temps en temps, dans la référence, pour bah, Thomas, bah, mon acquis, c'est biblique. Dans Luc chapitre 22, verset 19. Dans Luc chapitre 22, verset 19. Oui. 22, verset 19 et. Verset 20. Uh-huh. Luc chapitre 22, verset 19, version oui. Darby. Mm-hmm. Ayant. Et ayant pris un pain uh-huh. et ayant rendu grâce, uh-huh. il est rompu et les le leur deux. Donna mm-hmm. en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Voilà. Faites ceci en mémoire de moi. Uh-huh. Verset 20. Uh-huh. De même, la coupe aussi, mm. après les soupers en la disant, coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang uh-huh. qui est versée pour vous. Alléluia. Amen. La coupe aussi. C'est-à-dire privage. Ce n'est pas nécessaire qu'il faut un zumba, gobelende. Non, non, non. Ce qui est ok, quand on a John, place de Houdina, John 6, 54, 55, 56, alobi, mon corps est vraiment une nourriture. C'est-à-dire, Nako, tiens, foufou. Na kwang, version biblia musu alobi kwanga. Na kote kwanga liboso. Na mai, umikate. Opamboli deke opamboli nde komi nzoto na ina makilana. Awa na vendo, Yesu alobi musala uyo ya sala kibiso mtu kusala. Na vendo isi, chapitre vendo, Luke verse 19 event. Azui privaja pamboli alobi, ceci abandina na nzoto. Ceci est mon corps. Qui est donné pour vous faire ceci à ma mémoire. Maintenant, verset 20, Azui coupe après les soupers en disant, cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang qui est versée pour vous. Alors, c'est la nouvelle alliance. Amen. La nouvelle alliance, tu lis à Kassin Saint-Boué. Dès que Pamboli privage, au Pamboli Lokobakokolia, au Commissiango, nous autres, Yesu. Amen. C'est par la foi. Version Lingala Makanza, Luc chapitre 22, verset 19. Merci. Akamata ki kuanga. Oh! Akamata nini? Kuanga. Yo yo lingaka kuanga mingi me yeba. Oko transforme kuanga na yo ekomi nzoto ya Yesu. Oko transforme mai ozo milawana koka. Ba jour rouge yo yo. Me pa patantina ba tonton. Bwana tituzulba me ba oyo. Oko pambula oyo bana nzambe ba melaka. O pamboli yango oyo bana nzambe ba melaka. Amen. Pa tonton. Patanti. Oyo bana nzambe ba melaka. O pamboli. Ata fanta koka. Ata maltina. Me pa tonton. Pa kene.
Après le bio, comme ici, en gros, Makilana Yesu, Ndeko, Mikosi. Mikosi. Alléluia. Continuez. Version Lingala Makanza, Luc chapitre 22, verset 19. Akamata ki kwanga, atonda ki, pe apuka ki yango, pe apesa ki nabango, pe aloba ki ete. Oyo e jalin joto nangai. Alobite ke lokola, e jali balamoko. Oyo e jalin joto nangai. Esili kope sa mampona bino. Salaboye bona e kaniseli nangai. Verset 20. Dobele bongo akamata ki kopo pe na sima ya kolia pe aloba ki ete kopo oyo ezali kondimana na sika na makila na ngai masili kosopa na mpo na bino biso bana nzambe nde tutiaka tembe me kuna bango bakemusika tata ye kopesa kamarade na ye mbote na nzela azombi mapa akoma pembeni ya ndako ya nda kamarade na ye amona bana kamarade na ye bazobeta foot akopesi bango mapa akoti na kati bana baye papa papa tala papa kamara asombeli biso apesi biso mapa to lady ja to ni atali kamarade ah tu yo tu tan ozanga maboko pa oyaka makupa mbati atukamesa azoremese kamarade ne azoye bateke makambo ese salami na butu bana balali tata wana oyo apesi bango mapa abimeli bana na butu ngana yami bango je les ai reçus ici chez moi. Alobi wapi musuni na pesio? Alobi teke wapi mapa? Wapi musuni na pesio? Mwana azoloba. Alobi me, opesi biso mapa alobi. Na pesi bino musuni. Mapa, olobi mapa, oui, men, yango wana. Je so wapi, alobi no tosito liye. On a déjà na kabeli, leki nangaye pe to liye. Alobi, ok, si se comme ça, pesa biso yaya na bino. Basi vozongi sa. Basengi yaya, yaya na bangwa kei. Après basengi leki bébé bébé akei tango basengi siko mamande mwana asuki mutema bayena ye atubeli bayena ye na misu yo moni mapa mena molimo alobi wapi musuni na pesi yo so tango apesi bangu mapa wana c'était musuni balie alobi zongi sana yango moni Yesu asali awa alobi teke lokola ça c'est mon sang de la nouvelle alliance, la nouvelle alliance de Sala Kapoye. Et puis les bazolia, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Mais quand la makila na ye, ya Yesu, et on a un soutou à Yesu. Et le coup, il y a un soutou à Yesu, et il y a un soutou à Yesu. Amen. Malade, il y a un makila na ye, il y a un makila na ye. Amen. Yango tingi otomboli yango na minito yo. Dégui tu as levé ta sainte. Na pamboli communion ya saint ya vlelo, na déclaré, il a béni, il a sanctifié. Je déclare les béni et sanctifié. Au nom de Jésus. Et dans la communion yo. Reçois la vie. Reçois la guérison. Reçois la vie. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Tout ce qui est corps étranger est disparaître. Élis-moi. Maintenant même. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus Christ. Je déclare, vous êtes guéri. Vous êtes délivré. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus de Sambeli. Amen. Amen. Bien-aimé. Yebake. Quelque chose est salami. Nazozi la témoignage. J'attends ton témoignage. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lelo, vendredi, Tubanaka, 17h. Ce vendredi, nous avions commencé à 17h. Et mercredi. À dimanche, s'il te plaît, à 7h. Et mercredi, à 10h. Le dimanche, nous allons commencer à 7h et le dimanche à 7h. Vendredi, 17h. Dimanche, 7h. Et mercredi, 10h. So, tous les coups dans la liste dimanche. Soyez connectés, branchés. Restez connectés. Que mon Dieu vous bénisse. Vous avez un témoignage? Tu as un témoignage? Vous avez un témoignage? Vous avez un témoignage? Ne manque pas de nous envoyer un voice. Zambé, apambolayo. Que Dieu vous bénisse. Na kombo, na Yesu Masiya. Jésus Christ. Amen. Amen. À la prochaine. Je vous aime. Le temps de témoignage. Petela Yesu Maboko Makasi. Bonjour, Papa Dayo. Pasteur Dayo. Ngai, moi na na yo, na la date na télévision, menga na priyaka na kuna te. Na la date yo tango zo bonde la pona bato rhumatisme. Ngai rhumatisme na ko sala nga ezo suwa makasi.
bamoko nala balamoko na okikimia nala ndakoka na television nala priya bakuna te me bana na ngai mi bale ya suka ba priya kakune pana yo ya mwana papa da ona kumisi nzambe mate ya na ikolanda na okibie na makulu koswe sirine na nyoko miko ebele na koswa wana na makulu na nyoko miko ebele kasi lera kako priyebo na okibamoko kimia na okimoto na makulu na okibamoko kimia ya wana pamboli nzambe na ngai nzambe adayo Samuel na landa koka kana ndaku banda tokota confirmer na banda kolando chaque jour na landa kaona landa kaona landa kao tena zui délivrance sa makolo ya ona kumisi nzambe petela Yesu maboko makasi. Tikana prophétiser na vie na sakola na boya bista balinga bazo kufa ko kufa te eloko epomi tata na yo ekopoma yote eloko epomi mama ekopoma yote ya ye les jours de chaque action bon passe quoi a toi ma vie que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie. Va commencer à dominer sur cette terre. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kosa yo na linie ya batuba isapa makambo ya tenyewa.